Messieurs, je rappelle qu'il y a des entretiens aujourd'hui. Je vais demander Emo, s'il vous plaît. On va remplir la société taxi convenablement. Ça marche, messieurs? Je suis en ville aussi. Ouais, n'oubliez pas qu'on doit aussi aller voir Bellamy pour voir si t'as des dossiers en cours. Ouais, on va aller le voir tranquillement. Ouais. Bonjour, monsieur, vous allez bien? Bonjour, ça va et vous? Ça va très bien, vous veniez pour un entretien, c'est ça? Exactement. Très bien. Eh, allez, venez. C'est une très belle voiture, ça. Ouais, bah j'ai pris une petite location avant qu'on parte. D'accord, ok, je vois ce que tu veux dire. Ok, est-ce que je te laisse t'occuper du monsieur? Ouais, il nous reste 3 places. Hein. Il nous reste 3 places? Eh ben c'est très bien. Il y aura un petit peu plus de monde, je pense, après. Ok, ouais, je vais changer de fringue. Je peux t'emprunter ta voiture que t'as empruntée? Bien sûr, tiens les clés. Merci. Attends, bouge pas. Hop. Ah, super, je te prendrai soin. À très vite. Fais gaffe, il y a une caution. Il y a une caution? Ouais, ah, $5. $5? C'est énorme. Ouais, messieurs, essayez de faire de belles embauches, hein, des gens sérieux et compétents. Hein. Qu'on redonne les sociétés dans un bon mood, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, go. Magasin de fringues. Alors, on prend quoi en tenue? Vu qu'on va en Europe. Affaire plutôt chaude, si je puis me permettre. C'est vrai que j'aime bien le noir, alors ça peut porter problème. Mais c'est pas mal, ça. J'ai envie de partir en Michael Moore. Ça passera jamais en Europe. Oh, putain. C'est pour le délire. Fais chier. Bah, attends, je trouve pas un putain de costard. Peut-être parce qu'il y a que des manteaux. Ah, ça commence à venir. Il n'y a pas de costards, en fait, genre... Ou alors les costards, c'est considéré comme des manteaux, je sais pas. Ou alors, pardon, les costards sont considérés comme des t-shirts. Ah, bah voilà. Ah, bien. Bon, pour Johnson, t'es encore en train de te changer. Ouais, putain, qu'est-ce qu'il y a? T'es à quelle boutique? Je suis à la boutique à côté, vers l'ouest. Côté du coiffeur? Non, la plus proche... putain, la boutique à l'ouest, la plus proche du taxi, casse pas les couilles. Mais attends, pourquoi, t'as déjà fini les entretiens? Ouais, plus personne. Vas-y, bah, reste un petit peu, j'arrive au pire, j'arrive. J'essaye de me faire beau, là, pour le départ en Europe. Ah, bien sûr, prends un petit sac, là, pour tes petites affaires. Oh, putain, ouais, tu commences à me plaire. Ah. Fais chier, ça colle au corps, alors ça fait qu'on voit à travers le seul calé, c'était l'autre qui était lequel? C'était lui, non? Non. Ok, c'était lui. Attaché, détaché. Attaché. Ok. Let's go. Détaché, ah merde, bah attends, tout à l'heure c'était attaché, les gars. Ouais, allez, c'est pas mal. Donc noir, là. Oh, pourquoi c'est revenu en blanc? Oh, remarque, c'est pas mal, hein. En vrai, hein. Ouais, là, c'est nickel, ouais, j'avoue. Ouais, ici, radio, vous êtes où, messieurs? Enfin, vous faites les entretiens encore ou pas? Sans finir. Est-ce que tu veux que je vienne te chercher? Si tu veux. Allez, j'arrive. Allez, mon bébé. Allez. On va en Europe frais comme Jaja. Hop, ça dégage, plus de phare. Je l'ai jamais aimé. Vas-y, mets-moi dans le Nord. Non, tu veux que je t'emmène où avant? Bah, j'aurais bien été au pute, mais avec deux places. Allez, vas-y, dans le Nord. Tu vas aller où dans le Nord? Bellamy? Ouais, Bellamy. Si on pourrait tous se retrouver avant qu'on... Bah attends, on part pas aujourd'hui, hein. Il est dans la semaine. Oui, non, mais dans la semaine. Oui, on va se faire une dernière petite réue avec... On la fera sur le parking où j'étais en train de voler. Vas-y. Mais qu'est-ce que tu fous? Ouais, désolé, j'étais en train de boire dans mon propre café. Putain de merde. Ouais, j'ai léché, hein, je peux te dire, hein. J'ai vu que t'avais bu dedans avant. Hop, allez, voilà, nickel, hein. On va arriver mieux. Ah, c'est une low rider. Ouais, tu m'étonnes. Bonjour, les petites salopes. Bonjour. Qui c'est qui suce par ici, hein? Vous, là, monsieur, vous. Vous, monsieur, vous sucez, monsieur. Levez-vous et sucez mon pote immédiatement, s'il vous plaît. Ah bon? Attendez. Oh, putain. C'est qui, ici? Hop, bonjour, monsieur. Allez-y, monsieur. Je reconnais cette voix. Je reconnais cette voix. Bonjour, est-ce que le shérif... Venez un peu plus par ici, monsieur. Est-ce que le shérif Balkany est là, s'il vous plaît, monsieur? Hélas, il n'est pas là. Monsieur Balkanayan. Bonjour, c'est qui? Ça vous allait bien, monsieur? Il a reçu une matraque dans le cul ou quoi? Je sais pas, j'ai pas entendu. Non, merci, ça va aller. Faut qu'il écoute son cœur, hein, c'est le principal. Putain, ouais, exact. Il est pas là, le shérif? Négatif, il est pas là ce soir. Il est pas là. Il est pas là de toute façon. Vous deviez pas partir, non, pas du tout. En vacances? Bah, si, mais c'est pas maintenant. C'est vous déjà avez un partout ou quoi, putain? Non, pas du tout. Vous voyez bien que j'ai un sac avec toutes mes petites culottes, quelqu'un veut les renifler ici? Non, ça va, sans façon, merci. Merci. Non, je pars bientôt, je pars dans la semaine, messieurs. Là, justement, je fais des petits tours pour voir si tout est bien. Tout est bien, qu'il finit bien, comme on dit. Parce que je reviendrai, hein. Je veux pas vous êtes les bienvenus, hein. Gueule ici, hein, messieurs, hein, quand je reviens. Ouais, pas de problème. Ils bougeront pas, vous inquiétez pas. Faites attention à vous, hein. Bon, bah super, je vous dérange pas plus, messieurs. Ouais, y'a pas de soucis. Et j'espère que vous aurez enfin votre promotion, hein. Ouais, d'ici là, je ne sais pas. Bon, bah je suis encore venu pour rien, nickel. Allez. Vous n'êtes pas pour rien. Et pour nous, c'est bien. Rien vous empêche, par contre, d'envoyer un SMS au BCSE ou avant. Ah, ouais, mais moi, on m'avait dit qu'il serait là, putain. Moi, c'est pas grave. Bon, messieurs, je suis bon ou pas? Pardon? Bah, vous avez pas changé quelque chose? Ah, si. Vous avez reconnu? Votre barbe? Eh non, putain. Allez, regardez mieux, regardez mieux. Franchement, je sais pas. Votre couleur de cheveux. Mais putain, mais j'ai changé mes fringues, j'ai tout changé sauf ce que vous dites. Mais c'est pas vrai, il comprend rien celui-là. Ouais.
Ah, je sais pas. Bah, vous aimez bien mes fringues ou pas? C'est pour aller en Europe. Ouais, c'est pas mal. Ah, ouais, bah, juste votre destination qui est terrible. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez, passez des bonnes, une bonne soirée, messieurs. Peut-être à bientôt. Ouais, ça marche. Bonne soirée, au revoir. Ouais, bonne soirée, ouais. Messieurs. Bon, moi, tu me suces. Bon, commencez par eux. Je vais te dire, c'est eux qui me sucent. Bien sûr. D'accord. Tu veux finir, toi? Tu veux les finitions? Ah, bah, écoute. Allez. Pour que le meilleur. Attends, faut qu'on parle au commandant. J'ai toujours pas parlé au commandant. Ah, bah, attends, on prend leur voiture alors. Oh putain. Elle est ouverte? Bah. Je suis pas sûr, mais... Mais c'est peut-être pas le moment de faire de la GAV, hein. Vas-y, essaye. Peut-être pas le moment de faire de la GAV avant de partir. Surveille. Vas-y, putain, c'est bon. Ah, je peux pas, non, les bâtards, ils ont cru qu'ils allaient me niquer. Il y a un taser sur la poignée. Ah ouais? Ouais. T'es sûr? Ouais, et ouais. Si tu passes par l'autre côté, le côté passager? Bah, je pense qu'il y a un taser aussi. Tu penses? Et tu sais qu'ils sont un peu cons ici, hein. Bon, allez, mets-moi un point à la... Fais une marche arrière un peu trop brute. Pourquoi? Je fais une bonne marche arrière bien trop brute sur le porche qu'avant. Oh putain, ah, ça a glissé. Oh, ça a glissé. Putain, ça glisse beaucoup ces temps-ci. Attends, j'arrive pas à les marches arrière. Hein. Oh putain. Putain, mais j'arrive vraiment pas à les marches arrière. Putain, mais tu te trompes encore. Ah, mais ouais, mais c'est pas vrai. Hein. Ouais, je vais pas y arriver. Hein. Ouais, je pense qu'on peut y aller. Oh putain. Ouais, on va y aller. Hein. Eh ben, on va y aller. Hein. On a plus rien à faire là. Mais c'est ça. On remontera pas. C'est dommage. Je suis pas sûr. On ira peut-être pas demander des nouvelles du shérif. Par mail. Regarde dans le rétro, hein. Ouais, au pire, prends les chemins à gauche après. Bah, ça devrait être bon là. On arrive vers le nord. Vers le sud, pardon. Bon, je vais te dire, c'est un peu pareil. Hein. Et de leur côté, si on tourne le dos, là où on va, c'est le nord. Ouais, c'est con ce que tu dis, non? T'as déjà essayé peut-être. De feinter une boussole ou pas? En tournant plus vite que la boussole. Et alors, ça marchait? Eh ben, j'ai fini par juste en fait la démonter et retirer les mains. Ouais, je comprends bien, ouais. Ça aussi. Ouais, j'entends bien. C'est bizarre le fonctionnement d'une boussole d'ailleurs, non? Ouais, le magnétisme, hein. Entre le pôle nord et le pôle sud. Ouais, c'est fou quand même, hein. Tu savais que le soleil, il avait plusieurs millions de pôles nord et de pôles sud? Ah bon? Ouais, ça foutait un bordel pas possible. Et du coup, ça crée des tsunamis sur le soleil. Sur le soleil? Des tsunamis ouais, de soleil? Sur le soleil, ouais. Alors, c'est quoi là qui se... ça fait des vagues de lave? De plasma. Ah ouais, ça doit être fou, hein. Ouais, bah, j'irai pas voir. Ouais, en même temps qu'il veut passer des vacances au soleil. Bah, peut-être qu'une fois que je serai mort, j'irai, hein. Mais tu sais qu'il y a des gens qui y vont, hein. Moi, j'entends plein de gens qui me disent, ouais, j'ai passé mes vacances au soleil. Moi, je comprends pas. Je fais, attends, il fait chaud là-bas, tu vois. Bordel, mais survivre. Ah oui. C'est incroyable. Ouais, il y a même un jour quelqu'un m'a dit j'ai passé des vacances au soleil. Bah tu le vineras jamais. Il est jamais revenu. Mais non. Bah si, je pense qu'il a brûlé, hein. Il est jamais revenu. J'ai jamais eu de nouvelles. Il a dit j'ai passé des vacances au soleil, il est jamais revenu. Quand même bizarre, ça, je hein. Comprends pas. Ouais, ouais, mais le soleil ça doit pas. Moi je dis ça doit chauffer. Je pense que c'est pas qu'un projecteur le soleil, tu vois, ça c'est aussi un. Oui. Ça doit être chaud, tu vois. Ouais. Je sais pas si t'as rêvé de passer des vacances au soleil, mais moi en tout cas ça m'a jamais fait rêver. Non, c'est genre avec une bonne bouteille d'eau à la limite. Oui, bien sûr. J'entends bien. Pour essayer de d'éteindre un petit côté, quoi. Bien sûr, j'entends bien. Bon, allez, direction les Speedy, là. On va parler au commandant. Et si on prend tout l'océan, là? Eh ben quoi? Et qu'on le jette dans le soleil. Ah, tu veux éteindre le soleil? Ça l'éteint. Mais pourquoi tu veux éteindre le soleil? Pour qu'il fasse simplement chaud. Ah, juste pour ça, c'est égoïste, il va faire tout noir. Je t'ai dit que le soleil, c'est un gros projecteur. Ouais, mais déjà que la Chine, ils essaient de faire une fausse lune. On pourra bien faire un faux soleil. De qui veut faire ça? La Chine. Ouais. Je connaissais le cul d'un mec, on l'appelait la deuxième lune. Ouais. Apparemment, c'était énorme. Il était pas chinois, par contre. Ah bon? Ouais, mais il avait un nom bizarre. Il n'existait pas, d'ailleurs, son prénom. Hein. Très bizarre. C'est mythologique. Ah non, c'est mytho plus que mythologique, mais... Il s'appelait... Attends, laisse-moi me rappeler de mes souvenirs. Il s'appelait... Lou... Ah putain, c'est un nom de merde encore. Un nom de gonzesse, on dirait, putain. Lou... Loulou... Loris. Non. Ah, encore plus gonzesse. Lauriana. Ah putain. Non. Ça, c'est bien, ça, par contre. J'aime bien, ça. Lou... Ah, je sais pas, je... Loli. Non, je sais pas, mais c'est vraiment un nom de merde. Non, attends, tu vas pas me dire que... Tu le trouveras pas. J'ai essayé de faire des recherches dessus, et même Google, il dit vrai, ça existe pas. Putain de merde. Je suis pas expert en informatique, mais c'est de la merde, c'est tout ce que je peux te dire. Y'a la bibliothèque, t'as essayé? La bibliothèque? Dans les livres antiques. Non, y'a rien dans les livres antiques. Putain de merde. Y'a bien une légende hein, autour, hein, mais y'a rien de plus. Ouais, d'accord, je comprends. Bonjour, monsieur. Wesh, ma gueule, bien ou quoi? Oui. Ça va, quoi? Ça va. Allez, check ça, man. Check ça. Tranquille, man. Quoi, c'est pareil. Ça va ou quoi? Wesh, les gars, bien ou quoi? Yo, les man. Ça va, mec? Ça fait quoi dans la street, là? Ça bibi dans la street, man. Ça bibi. Aïe. Ça bibi sec ou quoi? Ça bibi sec, un sort, hein. Vous avez quoi là, les gars? Le fourneau est ouvert. Voilà, vas-y, le fourneau. J'aime bien, foutez-vous à moi. Il y en a même eu deux qui ont eu le fourneau ouvert dans le cul, là. Ah ouais? Ouais.
Ah, vous savez qu'on est salaud. Ah bon? Oh oui. Oh oui. Ça nous excitait ça d'ailleurs. Ah ouais. Bah, cool. Excité carrément. Ouais, y'a qui que vous détestez là? Ah nous? Bah, je sais pas. Non, déjà, je sais même plus à qui je parle là. Ils ont tous la même voix, c'est con là. Ils ont tous la même gueule aussi là. C'est monsieur McGonagall. Moi? Ouais, je sais pas, je vous reconnais pas là. Attends, putain, mais ouais, c'est McGonagall. Mais me confonds pas avec tes salopes hein. Ah bah merde, c'était un autre mec du taxi. Ah, tu veux démonter un gars du taxi? Mais non, je déconne. Mais du coup, il se passe quoi? Vous êtes plus l'entrepreneur des taxis? Ah, c'est fini, c'est... je fais une petite pause de quelques mois là. Ah, de... ah oui, quand même, quelques mois. Ah, ouais, il a, cool, pris un... il a pris un. Comment ça s'appelle? Un VTT? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un VTI, ouais. Eh, hey, messieurs, ouais, voilà. Messieurs, c'est pas vous qui rappez là sur Instagram? Ah, ouais, bien sûr que si, pourquoi? Y'a quelqu'un qui peut lâcher un petit freestyle pour mon départ ou quoi? Ouais, un petit 16. Un freestyle? Bah, ouais, je serais peut-être mort à mon retour, alors on sait jamais. Faut appeler Bigo, faut appeler Bigo. Bah, moi, je peux pas faire en acapella parce que j'ai pas de basse, vous voyez. Et moi, je peux t'en faire des basses, moi. C'est. Oh. Oh, attends, une box. Je lance une rythmique ou pas? Vous me lancez une rythmique et honnêtement je vais vous dire si je suis chaud pour rapper dessus, ok? Ok, tu veux un truc quoi? Tu veux un truc un peu... Old school 90 lent. Oh putain. Je suis pas le plus chaud hein. Enfin, je suis... Moi il me faut un peu travailler sur mes sons d'habitude, mais tranquille. J'entends bien. Bah écoute, je tente un truc, tu me dis ce que t'en penses, ok? Vas-y. T'es prêt ou pas? Regarde un peu si j'ai des trucs à lâcher dessus. Non, je vais faire en impro, tu sais. Tu veux me soutenir ou pas, moi? T'as peut-être une petite instru, un petit truc pour suivre le rythme une fois que j'ai lancé. Ok, t'es prêt? Je vais juste lancer les bases. Il y aura peut-être un deuxième instru qui arrivera par-dessus. Allez go, le tempo il est là. Ponce, pin, ponce, pin, ponce. Fais vite, putain! Les doses de feu vont la sortir, Beretta. Pour se prendre la set, inquiète, on va tourner le son et t'attends, t'as digé. Ce soir, on tournera, vas-y, ferme-la. Les balles sont sous les deux, la bonnie. On traîne pas groovy, pensons que c'était easy. Attends, pas assez. Plus rapide, les mecs, je vais pas suivre sinon, non. Oh vraiment, putain! Là. Tu veux vraiment de la vitesse, toi, hein? Ah ouais, ouais, de la vitesse. Bon, bah, vous m'enverrez ça, messieurs, je vous fais des gros bisous. Vas-y, ça marche pas. Allez-y, de toute façon, ça. Le capitaine est là. Bonjour monsieur. Bonjour. Pink, est-ce que radio, votre commandant est là? Se passe bien messieurs. Non. Ah putain, bon. Il revient quand? Les papiers pour Pink. Il est énervé ou quoi? Mais attends, ils sont jamais là. Bah, je sais pas. T'as baisé sa mère? Pas le shérif? Je me rappelle pas. Bah ouais, moi non plus. T'as se passé tellement de pute. Si qui me voulait me voir? Le journaliste, monsieur avec la lunette là. Bah, allez, c'est moi. Vas-y, venez quoi. Eh bien, je vous suis. Du coup, le commandant est pas là. Bah, du coup, non. Du coup, le commandant est pas là, vous, messieurs, oui. Et vous savez vraiment pas quand il reviendra? Bah, j'en ai aucune idée, je suis pas sa secrétaire, moi. Ah bon, putain? Vous connaissez sa secrétaire? Mais tu vois, on a confondu, je t'avais dit que c'était pas sa secrétaire. Tu m'as dit, mais si, c'est sa secrétaire. Je t'ai dit, mais arrête, c'est pas sa secrétaire. Bah, j'aurais été sûr, si, c'est. Ouais, oui, je sais. Mais encore, c'est... tu t'es gouré encore. Tu t'es gouré. Ressemble à personne dans le journal. 3-9. C'est vrai, c'est vrai. Vous connaissez sa secrétaire, monsieur? Oui. Elle vous ressemble énormément, apparemment. Non. Vous voyez toujours pas non plus sa secrétaire. Ah, si, ouais, c'est bon. Personne ne voit sa secrétaire. Tu sais où elle est, toi, sa secrétaire? J'arrive. Ah, y'a pas de secrétaire? Je vais me lever. Bah, vous êtes obligé de voir le commandant ou? Bah, ouais, putain, parce que ouais, je déteste les changer. Trucs. Passez oui, dites-moi. Non, mais viens, Attendez. Bonne année. Bon, allez, on va voir Parkinson. Ici, radio, nos entretiens sont terminés. De notre côté, on fait un petit peu le tour. Mais bon, y'a ni shérif ni commandant, donc on repassera. Tranquillement, mais on avertit tout le monde qu'on quitte la ville, quoi. Bien reçu. Moi aussi, j'ai bientôt fini mes entretiens. Là, je vais faire un petit tour à l'hôpital, voir un peu faire la baise à papa, qui nous rejoindra. Je me suis changé, messieurs, pour aller en Europe, vous me direz mon nouveau look. Ça marche. D'ailleurs, t'en penses quoi, toi, de mon nouveau look? Ah, bah, c'est trop bien. C'est très bien? Bah, c'est trop bien, c'est trop bien. C'est trop bien? Oui, c'est très bien. C'est très bien. En plus, t'as mis un. Oh putain. En plus, t'as mis un peu d'autres colognes. Oui, t'as reconnu? Bien sûr, Fleur et Michon. Oh, exactement. Attends, j'ai garé la voiture. Putain, mais dégueulasse, ta voiture en Parkinson. Ouais, mais... Putain, il l'a foutu en bleu clair. Il a trouvé le Batman celui-là. Ah bah, je suis pas sûr que c'est Batman. Hein. D'ailleurs, on l'a pas revu Batman. Ah ouais, tu nous. Ah putain. Tu l'avais en contact, non? Tu sais quand il reviendra ou pas? C'est un secret. Attends, je vais mettre une patate stellaire à quelqu'un, attends. Excusez. Oh, Parkinson! Oh putain, mais. Oh là là. Ok, excusez-moi. Oula, vas-y, ça va faire pète, hein. Ah, et qu'est-ce qu'ils font dans la pièce? C'est vrai, vous? C'est. J'arrive tout de suite, je vais me charger. Mais qu'est-ce que tu fais habiller comme ça, putain? Ah! Mais t'as changé d'orientation sexuelle? Non. Non, mais on juge pas, tu peux hein. Un hélico, un caillou. Bien sûr. Bah, elle est bien maintenue en plus. Si tu t'identifies à une lesbienne. Vous allez bien, madame? Oui, ça se met où? Eh, votre jogging en latex, je peux vous dire qu'il vous fait un cul. En latex, c'est un jogging. Gros comme ça, votre cul, hein. Gros c'est un jogging. Il a dit un jogging en latex. C'est un jogging en latex, oui, je connais bien ça. Oui, oui. Ah ouais. Ça, c'est fait par une Chinson, ça, je connais bien. Si. Ça, c'est fait par une Chinson. Quoi? Une Chinson, vous connaissez pas une Chinson? Non. Ils font des pneus. Bon, bref. Vous faites quoi de votre en billet comme ça là? Longuestar. Un peu trop long. Après l'événement hier en fait. On a voulu faire un petit tour en montagne, mais on n'aurait jamais dû. On n'aurait jamais dû. On a fait un petit tour à l'hôpital en même temps. Donc on fait un tour en montagne, on s'habille comme ça. Après c'est de sa faute. Il voulait s'acheter un mon vélo, sauf qu'il est tombé.
Parkinson, ouais. On prend bientôt l'avion là, le vol pour aller en Europe. Tu ouais, me ferais plaisir ouais. De pas. Tu viens comme ça dans l'avion, je fais tout péter, hein, je te raconte pas. Hein. Ah, je mettrai mon nouveau costard, t'inquiète. Ouais. Surtout qu'on a des places business. Oui, ça, c'est tout bon. Tout se passe bien ici. Je vais changer, hein, t'inquiète. Ça va, ça va. Ça va, ça te fait du mal un peu de quitter. Oh, un peu de vacances, ça va faire un peu de bien. Ah, ça va te faire du bien aussi, je comprends, je comprends. T'es content, t'arrêtes un peu ou pas? On reviendra, tu le sais, hein. Oui, bah oui. Très bien. Bon, bah allez, oui, Parkinson, oui. Passe une bonne fin de service. Je suis même pas en service. Eh ben, passe une bonne fin de service en tout cas. Nickel, vous aussi alors. Hein bah, nickel. Tu veux que je t'emmène au pute ou pas, moi? Bah, c'est pas l'heure, c'est la nuit, hein, que ça va. Allez, bah écoute, on va refaire un petit tour. On va refaire un petit tour, on mettre 2-3 patates aux gens gratuitement parce qu'on aime bien. Et puis après. Ah, les jeux du chat. Ouais, ça y est, toi, ton hôpital, tu vas le laisser entre de bonnes mains? Ouais. Ouais, j'espère bien. Bon, allez. Ah, tiens, en direction. Ouais, conduis-moi, s'il te plaît. Bien sûr. Ah, tu lui feras un bisou. Allez, va au service taxi. Non, c'est bon, t'inquiète. Bon, attends, faut que j'attende le directeur qui nous remplacera. Je vais l'attendre ici, après, on va au parking central. Ouais. Bon, ma petite Sophie, je t'emmène pas en Europe cette fois-ci. On se reverra très vite. Et je ferai en sorte que tout le monde prenne soin de toi, t'inquiète pas. Tu as un problème, t'appuies sur le beeper, on est là dans l'heure. Oh oui, même si à 12 heures d'avion, on sera là dans l'heure avec le décalage. Tu veux pas te changer? Tu pars comme ça en Europe? Bah ouais. J'ai cru comprendre qu'il faisait froid, hein. Tu sais c'est quoi mon plus gros regret finalement? J'ai jamais eu mon intérieur. Si, on l'a eu une fois. Si, ouais, mais quel intérieur? Ouais, deux fois, un intérieur. Ah, y a des trucs, ça changera pas. Tout petit et un autre dégueulasse. Bon, on va nous chercher un véhicule avec 5 portes. J'y vais. Ouais, dis aux autres Gugus de nous rejoindre. Très bien. Bonsoir monsieur. Soir. Bonsoir monsieur, vous allez bien? Oh, ça va super, vous? Mais ça va très bien. Johnson, Parkinson, est-ce que vous pouvez nous rejoindre? Monsieur, si je me trompe pas, monsieur, bien, monsieur Patoche. Ah, monsieur Patoche. Monsieur Dassin. C'est yes. Quoi, c'est... Vous sortez du PMU du bas ou... Putain, c'est dégueulasse. Ouais, vous sortez du PMU d'à côté ou quoi, putain? Vous venez de faire un euro million? Non, non, je reviens de l'événement des bikers, c'est pour ça qu'il y a eu un peu de bagarre. Mais c'est quoi, c'est quoi? C'est quoi? Oh putain, attends, bougez pas. Putain, mais qu'est-ce qu'ils veulent, ça là encore? Messieurs! Pas ici! Et pas ici! Ah, il y a encore du sang! Il y a de la voiture! Allez, vous dégagez, je veux plus vous voir. Dégagez de mon service taxi! Allez! Mais qu'est-ce qu'il faut, putain? On va avoir des problèmes avec les flics! Eh bah putain! Messieurs, monsieur, vous allez devoir reprendre la relève. Je vous demanderai juste de vous habiller autrement au moment de la passation d'activité. Oubliez pas qu'on a le numéro de chaque employé. Ouais. Ah oui. De leur donner leur plaque. Mo, je te présente Patoche. Ouais. C'est lui qui va prendre la relève, on a entièrement confiance en lui. C'est notre pote. Est-ce que tu peux lui transférer par mail l'adresse de toutes les personnes qu'on a et leur plaque d'immatriculation? Oh là, j'ai des putes. Comment ça, tu les as pu? Bah il en redistribuera des nouvelles, bon, des plaques. Tu redistribueras des nouvelles plaques, que ça soit bien organisé. Je vais vraiment être absent quelques mois, d'où ma tenue. D'ailleurs, d'accord. Vous en pensez quoi, monsieur Patoche, de ma tenue? Ouais, la classe, hein, franchement. Vous aimez bien? Ouais. Ouais, j'ai juste une petite hésitation au niveau des chaussures, quoi. Attendez, bonsoir. Monsieur Patoche, vous êtes en train... Bonsoir, monsieur, vous êtes en train... Ah, de mais non, mais c'est le même modèle, en fait. Ouais, le même modèle. C'est... Voilà, c'est bien ce que je pensais, monsieur Patoche. Bon, oh, c'est donc, comme ça. Je vous ai dit, vu qu'il y aura la passation d'activité, vous allez être le nouveau directeur. Je compte sur vous pour animer cette ville et faire les choses bien en tant que directeur taxi remplaçant. Je peux vous faire confiance ou pas? Oh bah oui. Vraiment? Vous savez, je vais essayer de faire prospérer cette entreprise comme jamais. Ça vous fait pas peur? Oh non, viser la lune, non. Eh ben voilà, faudra juste vous habiller un petit peu mieux, hein, les sessions PMU, on fera 100, d'accord? Ouais. Le directeur, ça sort pas avec un maillot d'équipe de football d'il y a 20 ans. C'est quelle équipe d'ailleurs de football? Je sais pas, mais le joueur s'appelle Cox. Non mais je crois que ça c'est... je crois que ça c'est un maillot du Burger King. Ouais. Ou du Chicken Bell. Ah, ouais, c'est possible. Je pense aussi, ouais. Est-ce que vous avez des questions concernant l'entreprise de taxi, son fonctionnement ou autre? Oh non, vous savez, j'ai passé suffisamment de temps derrière un taxi, donc après, je pense pouvoir reprendre assez aisément. Très bien. Vous aurez mardi 35 000 $ dans le coffre. D'accord. Je retirerai le reste et je les utiliserai à titre personnel. Vous aurez 30, vous commencerez donc avec 35 000 $. On mérite un peu quand même, hein, pour ces vacances, un peu d'argent. Vous ferez des primes aux gens qui le méritent, évidemment, de temps en temps. Je peux compter sur vous aussi. Ah oui. Voilà. Bon, ok, très bien. Bon, en tout cas, messieurs, j'ai hâte de vous donner les clés. Vous pouvez déjà discuter avec les employés. Bonjour. Bonjour. Les prochaines minutes vont être très désagréables pour vous. Mais au moins, je suis obligé. Vous comprenez ou pas, monsieur Patoche? C'est de l'autre côté, Jameson. Pas tout, oui, mais ouais, peut-être. Monsieur Patoche, je vais donc vous remettre les clés de direction de taxi. Ouais. Néanmoins, vous savez que votre rôle ne me satisfait pas du tout, monsieur Patoche. Aïe. Ça me satisfait pas du tout, monsieur Patoche. Bordel! On peut pas devenir directeur avec un haut pareil. Donc vous vous relevez, vous allez vous soigner, et vous allez vous... Ah putain, je suis à deux doigts de bouillir. Non, non. Ah arrête! Mais arrête, attends, c'est pas arrête moi! Arrête tes conneries! Hop! Tiens, fils de... C'est même mon propre frère, putain! Johnson! Y'en a un autre ou pas?
Je suis chaud là. Bien, messieurs. Commence à me casser les couilles ces conneries, hein. Bon voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas, mon pote-pâte. Non. Allez, magasin de vêtements et ensuite les soins. Magasin de vêtements avant les soins, parce que là c'est pas possible dans votre état actuel. Oui, là ils refuseront de vous prendre, hein. N'oubliez pas que vous pouvez déjà vous présenter en tant que directeur taxi, ça marche, monsieur. Ça marche, monsieur. Et vous allez vous habiller comme lui. Non, ta gueule. Allez, monsieur Patoche, vous m'en voulez pas, monsieur. Non, c'est bon. Bon, donne-lui une prime de 5 000 $, s'il te plaît. Bien sûr, pour le plaisir. Arrêtez, calmez-vous, calmez-vous. Bon, 6 000 $, monte à 6 000 $, parce que c'est la prime. T'en as mis une belle, t'en as mis une belle. Arrêtez, arrêtez. Ouais, on vous donne une belle prime. Vous inquiétez pas, vous pourrez refaire réparer le nez. Oh, merci. Vous m'aimez quand même, monsieur Patoche. Vous avez une tache, là? Oui, ça va. Pistache. Écoutez-vous. Allez, à très vite. Et prenez soin de vous et votre nez, hein. Oui. Vous savez, je vais vous dire un truc, monsieur Patoche. Hein. J'ai connu une salope qui avait un nez bouché, hein, parce que pour le coup, c'était vraiment une salope, hein. Ouais. Vous savez ce qui lui est arrivé ou pas? Non, je sais pas trop. Bon, on lui a tout simplement... Ouais, on lui a tout simplement coupé les doigts. C'est pas cool, là. C'est pas cool, mais bon, c'était une salope imméritée. Donc, d'ailleurs... est-ce que vous avez débouché? Non, c'est bon, c'est... Allez, passez une bonne soirée, monsieur Patoche, et à très bientôt pour la remise des clés. En espérant que les clés soient débouchées. Et n'oubliez pas, s'il arrive quoi que ce soit à Sophie ici, ou à l'entreprise, on est là dans l'heure. Oh putain, oui. D'accord. J'entends rien de négatif. Je vais dire à ce monsieur que vous êtes futur directeur. D'accord, merci monsieur. Bon, moi je vais me changer du coup parce que... Oui, cours. Bonjour, vous allez bien, monsieur? Oui, bonjour, ça va et vous? Ça va très bien. Vous voyez la personne là-bas avec son maillot de PMU, là? Là, là. Non. En moto, oui. C'est bon, j'arrive. Bah, c'est le futur directeur. Ok, très bien. D'accord, donc je vous demanderai de... Mais donner, non, mais... votre plaque et tout... pour qu'il le note quelque part, ça roule, monsieur. Pas de soucis. Vous avez un numéro à vous communiquer ou pas? Il s'appelle monsieur Patrick, voilà. Attendez. Laissez-moi voir... monsieur Patrick Dassin. Okay. Vous voulez son numéro ou pas? Ouais, je veux bien, s'il vous plaît. Mais d'ailleurs, vous ferez les touches du parking, vous ramasserez les douilles. Hop, dans sa gueule. Alors, 1744. Mais lui, il passe sa vie à terre, hein, putain. Ok, très bien. 1744. On part en Europe. Je compte sur vous pour faire tourner cette société taxi. Pas de soucis. D'accord. Je suis là pour ça. Ah, je reviendrai dans quelques mois. S'il y a quoi que ce soit, vous voyez la dame là-bas, là, qui s'appelle Sophie. Ouais. S'il y a quoi que ce soit, un appel, je suis là dans l'heure, il y aura des morts. Ok, très bien. J'espère pas en arriver là, quand même. Voilà. J'espère pas. Allez, passez le soir. Merci, vous aussi. Et vous savez pas s'il y a un autre taxi en service là? Ah bah non. Ou si j'étais le seul. Je pense que ça a plus tapé la carrosse que le futur. Le futur directeur, il est à l'hôpital. Ah non, pas de flingue. Ok, là, ça commence bien pour lui. Hein. J'ai mis une flingue ici. Hein. Allez, à très vite. Ok. Arrêtez. Messieurs, venez dans le véhicule s'il vous plaît. Tiens, attends. Monsieur Parkinson. Ouais. Emmène ce jeune homme. Arrête-toi, putain, ma vitre. Emmène ce jeune homme là où il veut. Qui? Là, juste là, à ta droite. Ah bah montez, monsieur. Oh, il monte là. C'est confortable, monsieur. On va au parking central dire au revoir à tout le monde et distribuer quelques gifles. Je dois aussi ouvrir un monsieur torse nu. Ouais, torse nu. Il va lui faire du sale, hein. Ça va la bouche, Jameson? Ouais, nickel. T'es pas obligé de des boîtes. Calmez-vous, messieurs, s'il vous plaît. Bon, vous êtes prêts pour le départ en Europe? T'as pris un sac, Jameson? Tu vas comme ça, sérieusement? Il me reste 7 paires de lunettes, là. Peut-être que j'en rachète un peu. Est-ce que tu veux qu'on te dépose à une boutique de fringues, là? Change un peu de fringues, bordel. Et puis au boulot, bientôt, hein. Ouais, je peux voir ce que j'ai en stock. Ça, c'est bien. On t'y dépose ou pas? Non, c'est bon. Viens, on va au parking central. Ça s'est bien passé, tes embauches? Ouais, tranquillement. T'as pris des gens sérieux? Ouais, j'ai pris une demoiselle, elle a l'air sérieuse. Oh. Mardi, on se retirera chacun 10 000 en plus qu'on mettra dans notre compte, ok? Ok. Oh, ça, c'est plaisir, c'est bien. Bah ouais, mais bon, tu sais que c'est la merde, hein, c'est la merde. Ouais, puis faut payer les vacances. Ouais, normal. Faut payer la petite villa, à Monaco. D'ailleurs, Jameson, tu dormiras toujours avec Parkinson dans l'hôtel la première semaine? Ouais, y'a pas de soucis. On avait réservé comme ça, hein. Y'a personne. Bah, y'a personne. Bah, allez, go, salle de muscu là. J'ai rien de moto. Y'a plus de moto. Allez, salle de muscu. Évitez de faire trop les cons, messieurs, quand même. J'ai pas envie de problème avec la police avant le départ. Fais un petit doigt dehors, Jameson, pour tirer les bruits. Ça évitera qu'il prend sa voiture venant. Un doigt. Non, c'est un beau doigt, ça. Et là, enculé le pare-brise. T'as un doigt qui tire des ongles ou qu'est-ce qui se passe? Tenez. Et vous savez quoi? Ouais. Je demanderais bien à l'État exceptionnellement un jet privé, tu vois. Ouais. Que je piloterais, hein. Non. Ah, quoique, ça peut être drôle, putain, mais ouais. Je peux piloter, hein. On va à l'aéroport, un petit jet privé. Ah oui, c'est vrai que t'as été pilote d'avion télécommandé, toi. Tout à fait. Ah ouais, putain. Bah écoute, on fait ça. Ouais, on va partir en jet. Ouais, on va faire un beau départ. Bon, ça va pas être bien compliqué, hein. Ce serait bien qu'il y ait quelques feux d'artifice aussi. Ah ouais, putain, tu crois que je peux demander à la mairie? Ouais, une petite subvention, ouais. Je commence, moi. Allez, un peu de yoga. Ouais. Un peu de yoga pour finir, je peux te dire que ça c'est le feu, ça. Tiens, sens son cul pour voir.
Ouais, mais sans, on va le faire tout le long du voyage. J'ai hâte, hein. Tu sais que tu seras mon copilote. Eh, va falloir m'inviter, hein. Ouais, j'avoue. Bien sûr. Tu sais que c'est une bonne idée, ça, hein. Bien sûr. On fera des finger guns dans l'avion, hein. Quand on ira le faire des doigts, ils tireront, dépressurisation, on est tous morts, on en parle plus. Allez, venez. J'ai hâte. Eh, tu changeras de tenue, Jameson, pour le vol, hein. Je vais me mettre un petit survêt pour aller couiller à l'air. Attendez, c'est Parkinson qu'on a là. C'est qui le cowboy, là? Monsieur? Non. Oui, bonjour. Vous allez bien, monsieur? Et vous? Oui, je cherche Dominique Toretto, vous pouvez me dire où il est, s'il vous plaît? Malheureusement, non, je sais pas vous dire. Ah bon? Pourtant, vous avez sa voiture, là. Ouais. Non, malheureusement, non, c'est... Ouais, c'est un modèle qui ressemble, mais ouais, non. Bien, on va le reprendre, on va lui ramener. Ouais. V8 en biturbo, je me trompe, monsieur? Ouais, c'est ça. Voilà, tu vois, 1978, je crois, l'année. Ouais. Ah, ça a été refait à neuf, c'est du beau, ça, hein, c'est du propre. Ouais, ça, c'est pas mal, hein. Ça roule à quoi, ça? Sur une peinture mat. Ouais, c'est soupape. Mais c'est à qui cette moto là? Vous l'avez écrasé, moi aussi. Vas-y, Lorenzo Lamas. Vas-y, hein. Bon, allez, je vais au service. Merci, à plus tard, messieurs. Vas-y, à toutes. Allez, Elle est sympa cette moto, hein. Je vais peut-être l'acheter, moi, de ces quatre, hein. Bonjour, messieurs. Attention, oh là là. Bon, allez, laissez ça tranquille. Demain, écoutez, venez, tiens. Il est où l'autre connard d'ailleurs de ce qui nous sert de frère, hein? Bah, il était pas déposé l'autre, mais je crois qu'il l'a sucé. Ah putain, appelez-le, s'il vous plaît. Ouais, t'es où? Ouais, on est au service taxi, tu viens? Ok, à tout de suite, il arrive. Ok. Je vais commencer à étudier le plan dans quelle direction on devra partir. Oui, ça sera pas mal. J'aimerais pas atterrir en Chine, hein, surtout avec ce qui se passe en ce moment à Hong Kong. Hein. Bon, écoutez, bizarre. Messieurs, je vais essayer de m'arranger en payant un petit peu pour avoir un jet privé. On décollerait mardi, ouais. On atterrit normalement en Europe. Je crois que c'est 10 heures, 11 heures de vol. Ouais, on atterrira Londres en Europe. On s'arrêtera sur une aire d'autoroute. Ouais, au pire. On pichera le vol. Ça sera moi qui conduira. Hein. Nickel. Qui pilotera. T'inquiète pas, Parkinson. Y'a que de l'eau en dessous. Donc j'essaye d'arranger ça pour... écoutez bien. J'essaye d'arranger ça pour mardi. Mardi 22h, le décollage. Donc mardi 22h, on est à l'aéroport, on décolle. En attendant, demain soir, vous revenez un petit peu en ville pour mettre vos sociétés au meilleur des états, remplies de bons employés, évidemment, et vous lèguerez les clés. À ces moments-là, on lèguera les clés juste avant l'avion, c'est-à-dire mardi vers 21h. Ok. Ouais. Mardi 21h, vous lèguerez les clés. Les gens pourront vous joindre quand même par email. Parce qu'on n'est pas mort, hein, on change juste de continent. On reviendra en cas d'extrême urgence, mais sinon on revient dans quelques mois. D'accord, messieurs? Ça roule, ça marche. Dernier truc, okay. Donc mardi, on s'envole. Lundi, on fait les derniers papiers, les derniers petits trucs. J'essaye d'aller voir la BCSO, j'essaye d'aller aller voir la police. Et puis, j'ai envie de vous dire, bon bah je vais rentrer, je vais me mettre deux doigts dans le cul. Oh, lundi, vu qu'on va partir, on ferait pas un petit chat quand même, un dernier petit chat? Ouais, je sais pas, je sais pas. J'avoue que pour prendre l'avion et pour le piloter, j'aimerais bien être en pleine forme. Pourquoi je m'en suis pris après le mec qui sort du pub là? Et moi, dès que je vois un t-shirt comme ça, je suis obligé de le tabasser, tu vois ce que je veux dire? Ah bah oui, je comprends. Bon, allez, on va rentrer calmement. J'espère en tout cas que ça vous a fait plaisir cette petite journée. Oui, oui. Ça fait plaisir de revoir vos belles gueules. Bon, je vais aller à un petit appartement où j'ai défoncé la porte et où je dors. Bah si. Moi, je vais aller tranquille dormir à côté des poubelles, c'est la dernière fois. Moi, je dors dans ma camionnette. Allez, salut. Tiens, bah, tu me déplies.